Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. C'est le seul film de Charlton. L'un des plus grands comédiens, je dirais même le plus grand comédien, en tous les cas, chez les Anglais. Et en effet, il n'avait jamais fait tourner de film, mais il avait envie de tourner une fois dans sa vie ce film, cette histoire, qui a mis beaucoup de temps à monter, parce qu'en effet, c'est un film tellement étrange, tellement hors norme, que... Le temps qu'il réussisse à convaincre, mais en même temps la réputation de l'auteur était tellement immense qu'on lui a accordé la possibilité de faire ce film. C'est un film, quand je dis en même temps, donc le seul film de l'auteur d'une part, mais un film unique, c'est qu'en effet, en aucune façon, on a raconté une histoire comme celle-là, de la façon dont il l'a racontée, avec toutes les, je dirais, toutes les audaces qu'il y a à l'intérieur du film, à commencer par la première audace étant celle du récit. Bon, un récit assez complexe, d'une extrême richesse, car vous le savez peut-être, depuis que le film a été tourné, il a eu droit à énormément d'analyses, de recherches, car il faut bien dire que c'est un film qui touche véritablement au fondement même de l'imaginaire humain, et en particulier, à commencer, par celui des religions. C'est un film que vous pouvez regarder très de façon admirable, mais en même temps totalement ambigu, comme à la fois un film sur la religion, pour la religion, à partir de tous les mythes religieux, des fondements religieux, et dans le même temps, un film totalement anti-religieux. On peut très bien le voir comme un film qui dit non à la religion, comme on peut le voir comme un film qui dit oui à la religion. Alors là, à vous choisir, c'est vraiment au spectateur de regarder. Évidemment, en tout cas, la base même, sur lequel il s'appuie, c'est-à-dire le fameux, très célèbre aujourd'hui, les fameuses mains couvertes d'un signe chacun, haine d'un côté, amour de l'autre, c'est en effet aussi l'un des fondements même des religions, et de ce point de vue, le film s'appuie tout à fait sur cette idée. En même temps, évidemment, vous êtes ici dans une religion précise, qui est la religion protestante, très intéressante dans le sens où elle est regardée, en tout cas, représentée et vécue par le cinéaste, donc par l'auteur, je dirais, à partir de sa dualité anglo-saxonne, à la fois chez les protestants, donc chez l'esprit protestant absolument, profondément anglais, toute la façon même de la représentation est reliée à toute la littérature pour enfants de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, en s'appuyant même sur les images qui accompagnaient ces livres pour enfants de cette époque. Le nombre de plans dans le film qui sont comme des représentations, des retours à des souvenirs d'enfance, de représentations de livres pour enfants de l'époque de la fin du 19e, est très fréquent, et a commencé évidemment par la plus célèbre, celle de la promenade en barque, avec les animaux, etc., bon, qui sont tout à fait remarquables. Mais en même temps, si vous avez ce protestantisme britannique, qui est quand même celui à la base de l'automne, vous avez aussi ce protestantisme américain
avec ici la représentation même de ce protestantisme dans la société américaine, avec en effet tous ces pasteurs ou ces gourous, comme il y en a autant en Amérique, même encore aujourd'hui, avec tout le poids de cet univers religieux, quand on sait que, par exemple, pour être d'aujourd'hui, les Tea Party s'appuient sur tous ces clans religieux qui sont d'une extrême importance même politique aux États-Unis. Donc la représentation de cette folie et des espèces de délires religieux que l'on voit dans le film, bon, on est en Amérique. Et tous les archétypes, non seulement religieux américains, mais les archétypes même de la société américaine sont représentés. Vous avez par exemple la voiture au début. Notre pasteur arrive d'abord en voiture. Il est d'abord en voiture. C'est-à-dire, on est dans le XXe siècle et le début de la société américaine industrielle. Et à la fin, notre pasteur sera à cheval en tenue de cow-boy. Et donc vous avez constamment des représentations, dans la même façon qu'il représente les religions, il représente aussi tous les mythes et les clichés liés à l'Amérique. Alors vous avez évidemment aussi l'homme et la femme. De ce point de vue-là, c'est tout à fait remarquable. La femme chargée obligatoirement du péché. C'est peut-être la première scène, mais quasiment la première scène, c'est-à-dire quand on est au cinéma et que d'un seul coup, il y a cette femme qui est en train de se représenter comme girl notre pasteur... c'est l'idée du péché. Justement, en même temps, le poids du péché qui est constamment promu comme moyen de dominer et de prendre possession des gens. En même temps, l'enfance, l'innocence, mais l'innocence qui n'est jamais innocente. Enfin, quand vous vous amusez à, non pas analyser le film, mais à essayer de l'analyser, c'est immense, c'est sans fin. On peut dire que toutes les psychanalyses, depuis Freud jusqu'à bien d'autres, ont cherché, au plan de la psychanalyse, à expliquer ou expliciter le film. Toutes les résonances psychanalytiques sont là. Bon, par exemple, aussi à la fin, toute l'ambiguïté, par exemple, à la fin, le petit garçon représente maintenant à celle qui est la représentante de la bonne religion, celle de l'amour, etc., etc. Qu'est-ce qu'on lui présente ? La pomme. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui a, en principe, dans la Bible, commencé à faire la scission dans l'humanité, c'est-à-dire la haine, amour, etc. Quand vous vous amusez à regarder le film, c'est stupéfiant. Toutes les portes qu'il ouvre dans toutes les branches possible de l'imaginaire fondamental, justement, qui est quand même pris en charge, en général, par les religions, et ici, évidemment, la religion monothéiste, puisqu'on a c'est aussi bien juif que chrétien, bon, et que musulman pour la même occasion. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est dans le monothéisme, on est quand même dans la descendance d'Abraham, etc., d'où l'importance de Moïse, enfin, tout est dans le film. Bon, alors, maintenant, il y a encore d'autres choses à dire, et en particulier, ce qui m'intéresse beaucoup plus en revoyant le film encore une fois de plus aujourd'hui, c'est la facture cinématographique, enfin, c'est stupéfiant. On se dit, mais c'est pas possible que ce mec, qui est un immense acteur, d'accord, un immense acteur ne fait pas forcément un immense cinéaste. Ben, il est un immense cinéaste, mais un des plus grands, c'est-à-dire vraiment, c'est au niveau supérieur. Ayant pour base l'expressionnisme, donc recherche sur la lumière, mais l'expressionnisme, c'est obligatoire puisque
on travaille la religion, et si on travaille la religion, on travaille le bien et le mal. Donc si on travaille le bien et le mal, on le dit au lieu en cinéma, lumière et ombre ou ténèbres. Donc on va jouer à fond justement l'expressionnisme qui travaille cette dualité lumière-soleil, lumière-ténèbres. Donc évidemment notre pasteur sera tantôt lumineux, tantôt totalement sombre. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que, au point de vue facture, au point de vue écriture, c'est la manière dont l'automne travaille non plus la dramaturgie dans une sorte de conquête et de combat entre des individus dans une situation donnée qui est en crise, etc. Pas du tout. Si vous regardez bien le film, vous apercevez qu'il travaille une dramaturgie de pur récit. On vous raconte ce qui se passe. Dans tous les plans, toutes les scènes, il n'y a pas une scène qui se développe sur elle-même. D'emblée, des gens ont des positions et disent tout simplement ce que vous avez à voir. On n'a pas à vous montrer comment ça se passe. On vous le dit, voyez, regardez, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on vous raconte l'histoire. C'est-à-dire, on vous raconte l'histoire d'une façon... je dirais latéral. Ça commence à mettre à gauche et ça va vers la droite. Je dis ça parce que c'est comme ça que c'est filmé. Vous n'avez pas un plan dans le film qui soit fait sur la profondeur de champ. Pas un plan qui soit fait sur, justement, une sorte de réalité de la représentation. Vous avez, au fond, tout le film est travaillé, et la lumière évidemment y aide énormément, sur un double plan. Vous avez un premier plan. Et derrière, un autre plan, mais tout ça étant horizontal, qui se superpose. Et vous avez énormément d'images dans la tête qui vous restent, où vous avez véritablement l'écriture cinématographique sur deux plans superposés. Et par exemple, il faudrait vous le montrer... Mais il n'y a qu'à regarder chez vous quand vous regarderez le film. De nouveau, amusez-vous, vous verrez que chaque plan est travaillé comme ça. Alors avec quelquefois des constructions tout à fait stupéfiantes, et en particulier une des plus belles dans le film, qui est celle de du meurtre de la maman, avec cette espèce de triangle conique dans la pièce. Et d'un seul coup, une mise en scène. Mais alors là, moi je suis à chaque fois stupéfait de l'audace de la mise en scène. C'est-à-dire que faire jouer d'un seul coup Mitchum en lui faisant prendre des positions quasiment chorégraphiques, en se tenant comme ça, enfin, quelque chose qui est tout à fait impensable, impossible, et une sorte de représentation qui est totalement folle. On n'est pas du tout dans, je répète, toujours visuellement, on n'est pas à regarder qu'est-ce qui va se passer, on est d'emblée dans un autre univers, dans un univers du mental, un univers de l'imaginaire. Donc, d'un seul coup, on passe à autre chose et on est dans une sorte de déréalisation qui est de l'ordre du fantastique, qui permet justement de travailler les notions profondes du fantastique, et en particulier celle de la peur. Donc, comment travailler la peur? Mais d'une peur qui ne fait pas peur. D'une peur qui est simplement stupéfiante, intéressante, et qui est, à mon avis aussi, et je ne suis pas le seul, peut-être la plus belle représentation de la peur, telle qu'on peut imaginer la peur de l'enfant. À la fois on a peur et on n'a pas peur. Et à la fois on désire cette peur et en même temps on en a peur. Et je trouve que de ce point de vue, le film est absolument magnifique. Je répète, dans le travail du ce qu'on appelle le fantastique, ça reste, bon, tout le monde le sait d'ailleurs, ça a été depuis 50 ans que le film existe, même 60 ans maintenant. Oui, 60. Tout le monde sait que c'est vraiment l'un des films les plus stupéfiants au point de vue fantastique qui ait jamais été réalisé au cinéma.
Bon, alors j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, comme vous avez pu le constater. Il y a encore pas mal de choses à dire, bien sûr, mais je ne vous ai pas posé la question traditionnelle, c'est-à-dire quels sont ceux, malgré tout, qui le voient pour la première fois. Ah, quand même. Comment? Ah bon, donc ça vient au même, donc si vous le revoyez, bon. Alors, je suppose que ceux qui le voient pour la première fois ont été quand même un peu stupéfaits. C'est quand même un film stupéfiant. Et en plus, c'est un film qui est magnifique aussi, parmi les autres aspects, c'est qu'on ne peut pas l'imaginer en couleur. Il a besoin absolument, impérativement, du noir et blanc. Et il en use admirablement bien de bout en bout. Moi, je trouve magnifique lorsque, justement, le bien et le mal, la bonne religion et la mauvaise religion sont face à face, c'est-à-dire que quand le méchant, le démon, le pasteur, est dehors dans le jardin et que la vieille dame avec son fusil est là, et que d'un seul coup, on voit les deux, l'homme sombre et la femme éclairée, évidemment, et puis d'un seul coup, la jeune fille qui commence à avoir des ardeurs de femme, arrive, et d'un seul coup, la lumière brouille, et ensuite, l'ombre a disparu, etc. Tout est fait là-dessus, c'est-à-dire que où est la bonne religion, où est la mauvaise religion? Est-ce que finalement, enfin c'est ce que dit aussi le film, est-ce que Satan n'est pas absolument nécessaire à la bonne religion? S'il n'y a pas Satan, est-ce qu'il y a la bonne religion? Donc ça devient tout à fait passionnant, quoi, c'est un film qui est... enfin, l'automne était un personnage aussi très étrange. Hein. C'était pas plus que Michel Simon, dont je parlais tout à l'heure. Ni l'un ni l'autre n'ont été des petits saints. Et le film, de ce point de vue-là aussi, d'un point de vue, je dirais, de sexuel, c'est un film curieux. En tout cas, la haine du pasteur pour la féminité est quand même un peu troublante. Non, je veux dire vous pouvez tout voir, hein, vous pouvez tout imaginer, parce que tout, en effet, vous propose d'imaginer ce que vous voulez voir ou ne pas voir, c'est à vous de décider. Ça, vous êtes libre par rapport à vos réactions face au film. À vous de jouer le film, finalement, dans votre réceptivité. Bon, là encore, alors maintenant, justement, j'aimerais bien peut-être que certains d'entre vous interviennent, soit ceux qui voient le film pour la première fois, ou les autres. Je vais vous donner le micro, pas. Pardon ? Je voudrais dire, c'est d'abord faire une différence entre le protestantisme et le puritanisme. Attends, pas, je vous dis. Je voudrais faire une différence entre le protestantisme et le puritanisme. C'est-à-dire que les protestants... Oui, enfin, oui. C'est complexe, puisque les Anglais... Oui, moi, je n'ai rien contre les protestants. Personnellement, oui. Je ne suis pas encore catholique, je serai catholique dans quelques temps. Je suis tout à fait prêt à discuter avec un protestant, peut-être moins qu'un puritain, parce que les puritains n'aimaient pas les femmes. Pour les puritains, les femmes, c'était le diable, c'était Ève. Mais vous avez cette ambiguïté avec Ève, justement. Ève, vous avez la pomme à la fin. Ève, elle croque la pomme. Mais la pomme, c'est ambigu, la pomme. La pomme, c'est la connaissance. Mais la connaissance est ambiguë. Parce que sans la pomme, bon, on serait au paradis, mais on ne serait jamais allé sur la Lune. On n'aurait jamais connu tout ce qu'on a connu. Alors, c'est ambigu. Là aussi, il y a une ambiguïté avec la connaissance. Mais de toute façon, quand on touche à des choses aussi fondamentales que les religions, je m'excuse, c'est... L'imaginaire même religieux est quelque chose de très complexe. Absolument. Bon, non, bien sûr. Mais là-dessus, la symbolique religieuse est une chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser l'image d'eux. On ne s'agit pas de... l'automne n'allait pas s'amuser à être... C'est pas un théologien. En même temps, bon, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, les Anglais, donc lui étant anglais d'origine,
c'est pas le puritanisme dans le protestantisme. En revanche, que pour l'Amérique, et l'Amérique qu'il peint là est quand même une Amérique liée au puritanisme. Les puritains, c'est le Mayflower, c'est 1640. Comment? Le puritain, c'est Mayflower, c'est 1640 et quelques. C'est le Commonwealth de Cromwell. Les puritains sont partis. On a dit, s'il y a quelque chose de pourri en Angleterre, c'est parce que les puritains sont partis en Angleterre. Moi, je suis désolé, les Anglais sont bien contents que les puritains soient partis. Hein. Parce que, par exemple, si vous avez Max Weber, c'est fin 19e. Il a lié Oui, mais enfin, on n'est pas là non plus pour faire l'histoire du protestantisme. Que les puritains soient partis, ça, bien sûr, puisque ils ont pris le Mayflower, mais que, en revanche, Charlton, d'origine, était britannique, et donc il n'est pas puritain d'origine, et il arrive en Amérique, il est en Amérique, il vit en Amérique, et il constate le puritanisme. Je ne suis pas sûr, tel qu'on sait sur l'automne, qu'il était spécialement pro-puritain. Je pense qu'il ne l'était pas. Le film le fait ressentir quand même. C'est évident qu'à la fin, le personnage de Lillian Gish, bon, là aussi il faut en parler, est un personnage plus lié à... Moi, ce qui m'intéresse dans ce personnage de Lillian Gish, c'est que quand même... Il en fait la vieille fille, l'archétype de la vieille fille, tel que à la fin du XIXe siècle, la vieille fille dans la société protestante anglaise, dans l'époque victorienne. Et elle est un peu l'innocente, celle qui a perdu quand même un fils, mais qui est quand même un peu innocente et qui... peut retrouver l'idée de l'amour. Le film, de ce point de vue, par rapport à l'automne, en effet, cherche plutôt à choisir son camp dans le protestantisme, sachant que l'automne était aussi un petit diablotin. Donc, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. Oui, je voudrais vous lui parler. Oui, bonsoir. Est-ce que finalement on ne peut pas dire qu'il y a un aspect très théâtral chez l'automne, un peu comme il y a eu chez Wells, c'est-à-dire où il y a vraiment une représentation très poétique, une utilisation des décors et de la lumière très très théâtrale du fait qu'il soit comédien justement. Est-ce que vous ne pensez pas que le statut de comédien qu'il a dès le départ influe sur sa façon de raconter les histoires ? Ah ben je ne pense pas. Je ne pense pas sur le jeu d'acteur. Il prend quand même, attention, c'est un immense acteur. Et il ne choisit pas les plus mauvais acteurs. Il prend quand même Mitchum, dont on sait qu'il a été l'un des plus grands acteurs américains de l'époque, qui en plus le savait d'ailleurs, lui, Mitchum, qui était peut-être un des meilleurs. Il prend aussi Lillian Gish, qui a commencé le cinéma avec Griffith, qui a été la grande héroïne de Griffith, et donc c'est un hommage au cinéma qu'il rend en prenant Lillian Gish, en lui faisant jouer ce rôle, donc la vieille fille à la fin, et que, en tant qu'acteur, justement, quand je vous dis qu'il ne joue pas, justement, c'est là où je ne peux pas être tout à fait d'accord avec vous, dans le fait qu'il raconte la dramaturgie au lieu de la faire jouer, d'emblée, il n'est pas théâtral. D'emblée, en revanche, il est en représentation d'archétypes. Par exemple, quand Mitchum doit faire le méchant, par exemple, si vous le prenez au début, donc, quand il est au cinéma, il est celui qui a violemment heurté par l'impudeur de cette femme sur l'écran, etc. Donc, on joue... l'expression immédiate. Et tout le film est fait là-dessus. Alors, avec en plus, par exemple, lorsqu'on termine le film, ou presque, puisque c'est quasiment la fin du film, avec notre vieille dame, enfin notre vieille fille, suivie de ses petits poussins, comme la mère canard, suivie de ses petits canards, et c'est filmé comme ça. C'est-à-dire que là, d'abord, vous voyez très, très bien, si vous avez un tout petit peu de mémoire, de la représentation
des livres d'enfants à la fin du XIXe siècle, où vous aviez absolument, surtout chez les Anglais, c'est typiquement anglais, ça n'est pas, un film comme ça ne peut pas être français. Un Français ne peut pas faire ce film-là. Rien. Alors que tout prédispose à un Anglais, en plus en Amérique, de faire ce film-là. Mais en même temps, il est le seul à avoir osé faire ce film. Mais en même temps, sur le processus de représentation, non, vous n'avez aucune scène dramatique. En revanche, à partir du moment où tout vous est dit, on vous dit, on vous raconte ce qui se passe, à ce moment-là, les personnages, enfin donc les acteurs par la même occasion, se doivent de jouer immédiatement la représentation directe. Ils n'ont pas à jouer la lutte. Bon, par exemple, reprenez cette scène qui est alors complètement folle. Donc, la toiture et notre femme, la pécheresse, par excellence, sur son lit, offerte, totalement offerte, donc prête comme au sacrifice, et en même temps, l'homme, dans une sorte de gestuelle complètement folle, où il est comme ça, est-ce qu'il est dans le drame, je vais devenir criminel, est-ce qu'il est dans un moment de, je dirais, d'érection absolue, est-ce qu'il est celui qui attend l'ordre de Dieu? Regardez comment c'est fait. C'est-à-dire, c'est une représentation totalement mythique de la situation, mais ce n'est pas la situation en tant que telle qui est jouée. C'est cette représentation-là qui est proposée. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose que vous n'aviez jamais vu en 1955 et que vous n'avez pas tellement vu depuis. C'est-à-dire que c'est une façon dont un immense acteur, qui était aussi grand acteur au théâtre qu'au cinéma, pouvait se payer le luxe de faire, parce que d'un seul coup, il rompt avec la tradition. Enfin, la tradition, c'est justement, c'est là où je reprends ce que vous avez dit, c'est-à-dire par rapport à Wells. Wells, en revanche, joue le théâtre, alors que lui ne joue pas le théâtre. Il joue quelque chose d'autre, qui est... Oui. Comment le film a été accueilli à l'époque, en 55, quand il... Écoutez, très curieusement, en 55, bon, même Truffaut, qui était encore un jeune homme à l'époque, enfin un jeune homme, oui, il avait 22-23 ans, avait, comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on aimait Charlton, nous avions tous une admiration pour lui, parce qu'en plus il a joué avec les plus grands metteurs en scène de cinéma, donc Charlton, c'était... une sorte de dieu, de toute façon. Et là, il voit le film et il ne sait pas comment le prendre. C'est un film qui a, au fond, fait son succès avec le temps. Et aujourd'hui, c'est un film, je pense même qu'un adolescent de 17-18 ans voit le film aujourd'hui, il ne sait peut-être pas quoi en penser, mais en tous les cas, il est sûrement stupéfait encore. Mais à l'époque, les gens étaient stupéfaits, mais ils ne savaient pas quoi en penser, et ils ne savaient pas du tout s'ils aimaient ou pas aimaient, parce qu'il y avait aussi quelque chose qui était de l'ordre de l'inconnu dans le système de représentation. On a l'impression que l'automne nous raconte un conte pendant une heure et demie, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir vu un film, on a l'impression d'avoir feuilleté un livre d'images pendant une heure et demie. C'est ça, un livre d'images, mais qui est quand même du cinéma. Oui, mais justement. Attends, je crois que on veut d'abord, madame voudrait parler. Moi, je voulais dire que ça fait au moins la quatrième fois que je le vois, et qu'à chaque fois, je tremble. Non, mais ça fait... Je suis toujours dans le même état, et j'ai beau savoir la fin, j'ai beau savoir comment va se dérouler l'histoire qu'il me raconte, je suis toujours aussi tendue... Donc ça, c'est quand même... Enfin, je trouve que c'est-à-dire que la peur fonctionne, mais c'est une peur qui se fabrique ou qui se crée à partir de la fascination. Et tout on est fasciné. C'est ça.
Et en plus, c'est la rencontre du monde adulte et enfant aussi. Hein, oui, très impressionnant. Là, c'est encore un problème que je n'ai pas abordé. Mais enfin, c'est tous les problèmes, tous ces problèmes-là sont ou seraient, et le sont d'ailleurs, dans la lecture psychanalytique du film. C'est évident que c'est stupéfiant déjà. Le père mauvais, le bon père. Mais le bon père est quand même un criminel. Enfin, alors là, quand on, c'est le tourbillon, hein, ça n'arrête pas. Et la mère, qui est la bonne mère? Recherche de mère, recherche de père. L'enfant obligé d'être le maître, en fin de compte. Donc avec la petite sœur, etc. C'est d'une complexité, en fait. Et d'ailleurs, le couple d'enfants, on a l'impression qu'on a affaire à un couple d'adultes. C'est un couple d'adultes, mais qui est enfant et qui est... Enfin, l'idée de perdition est en même temps comme une sorte de péché, la perdition, qui est nécessaire pour la prise de conscience et finalement... je dirais le sauvetage, quoi. C'est toute cette promenade en bateau qui est tout à fait tellement étonnante, et surtout reliée à la nature, et reliée aux animaux. J'avoue, par exemple, les lapins, la chouette, etc. Le renard, tout ça, c'est magnifique. Et le moment carrément cosmique où on passe à la Lune, ce sont des moments de pure poésie et de pure... je dirais de poésie cosmique. On est dans le cosmos. Et donc aussi, on est à l'origine de l'humanité, de ses peurs, de son besoin de religion, etc. C'est ça où le film est fabuleux. Et à propos de la deuxième mère, enfin, cette femme... La vieille fille, qui est quand même une mère. On peut quand même se poser des questions, parce qu'on sait que le fils ne veut plus la voir, mais on ne sait pas pourquoi. Alors on peut imaginer que ça vient du fils, mais on peut... Oui, on ne le saura pas. Et puis vous avez encore une troisième mère, là, l'horrible mère, c'est-à-dire la femme... Du glacier, qui est celle qui, au fond, c'est la mégère, justement, religieuse, qui peut devenir, à la fin, la démone, celle qui, justement, qui est parfaite pour prétendre à l'amour et déverser la haine. Et la fin, toute la fin où elle hurle après celui qu'elle a défendu jusqu'à lui permettre au fond le crime et d'être un criminel. Bon, donc cette femme, c'est quand même aussi une mère. Et elle arrive comme mère, souvent, à la cave. Elle est là et elle est quand même la mère, malgré tout, à ce moment-là, protectrice. C'est-à-dire, alors là... Moi, je suis sidéré par ce film, sidéré. Il y a beaucoup de choses à y voir. Tellement, on peut dire que c'est presque plan par plan. À chaque fois, il y a une résonance multiple, ou des résonances multiples. Ça ne se passe pas sur un seul niveau. Et c'est pour ça que je pense que, évidemment, le génie de l'automne, c'est d'avoir senti comme un besoin absolu de faire en sorte que tout était frontal et horizontal. C'est-à-dire qu'on n'a pas à rentrer à l'intérieur, on a à voir se promener. Enfin, comme une traversée, et je dirais même en plus, pour reprendre les procédés de l'époque du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, qui était la lampe magique, où on faisait circuler les silhouettes. Et vous avez des moments où, en effet, on fait circuler les silhouettes avec la lanterne magique. Il y a un côté de lanterne magique qui est... Le cheval qui apparaît. Exactement. Vous avez plein de... Enfin, on peut dire que tout le film est fait là-dessus. Tout le film est fait là-dessus. C'est quelqu'un d'autre. Oui, je... Attends. J'ai vu en 62 pour la première fois. Non, mais... C'est un film stupéfiant pour ça. C'est un film qui, en effet... Vous savez, moi, ça fait...
Moi, je l'ai vu personnellement, j'ai vu une dizaine de fois. Et ce que je viens de comprendre ce soir, c'est que dans le fond, ce n'est pas un film sur la transmission, parce que le père donne un secret aux enfants. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le message du film? C'est un film sur la transmission. Et vous dites qu'ils se perdent pour mieux se retrouver à la fin dans un bonheur qui n'est pas avec leurs vrais parents. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement? Bah, c'est clair que ça met surtout en question. Une des bases de toutes les sociétés, c'est le secret. Et en plus, le secret lié à l'argent. Parce qu'il y a tout un côté social aussi dans le film. Et ce côté social est tout aussi passionnant. Mais le regard sur l'argent lié au secret, avec tout ce que ça implique, et en effet, le père, dans une certaine société, disons l'américaine, entre autres, doit transmettre le secret qui est celui de l'argent. Hein ? De la réussite, peut-être. Enfin, ça, on est en Amérique. De la réussite, bien sûr. Ah non, je répète, le film est stupéfiant. C'est un film sans fin. Et, on se demande si l'automne avait pu faire un deuxième film. Je crois qu'il avait commencé un deuxième film. Je crois que... Est-ce qu'il aurait gardé ce génie Allez savoir. Faire un film comme ça, il faut vraiment l'avoir eu dans sa tête. Et en plus, c'est là où c'est passionnant, un créateur. C'est que vous, en tant que spectateur, vous pouvez ensuite tenter d'expliquer le film. Et de donner les éclairages, de donner le côté rationnel, sachant que le créateur lui-même, quand il crée, est d'abord lié à son imaginaire, et que, ensuite, savoir ce qu'il fait, il ne le sait pas vraiment. Allez demander à l'automne qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il ne sait pas ce qu'il a voulu dire. Mais en même temps, ça y est. C'est-à-dire que là, tout ce qui a été imaginé là est passé. Et en revanche, lui, la raison elle-même, ne sait pas. Mais ça, c'est valable pour tous les grands créateurs. Hein. Tous les grands créateurs sans exception. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Enfin, moi, ça m'est arrivé en tous les cas de demander à des grands cinéastes que s'ils avaient voulu faire ça, ben, pas du tout. Alors que tout le monde le voit. Tout le monde voit que c'est ça qu'il a voulu faire, et lui ne sait pas. Alors, allez savoir. Ben, la création appartient à tout le monde. C'est ça l'art. La création, on vous propose justement un film comme celui-là, vous offre un champ, enfin, vous ouvre un champ de l'imaginaire absolument stupéfiant. D'autant plus que cet imaginaire, je répète, c'est quand même l'imaginaire fondamental de l'humanité. Les religions, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas la religion, c'est quand même quelque chose qui est important. Quoi. Attendez, je ne sais plus où j'en suis, moi. Ah, pardon, monsieur. Non, c'est madame. Bonsoir. Donc, vous nous avez dit que dans ce film, on retrouve beaucoup de mythes de l'histoire américaine. Or, j'ai pas l'impression que ce soit du tout évoqué le problème des Noirs américains, et en particulier tourné en 1955, le problème de la ségrégation. Est-ce que vous avez une explication là-dessus? Parce que c'est quand même un thème. Enfin, moi, je m'attendais peut-être à voir un acteur noir américain. Enfin, qu'il y a un moment, quelque chose qui nous rappelle que l'Amérique, il y avait eu le problème d'esclavage. Enfin, et j'ai l'impression que dans le film, on de quoi des Noirs américains. Vous voyez, c'est pas du tout évoqué dans le film, et ça m'a fait bizarre pour un film américain. Voilà. Il ne l'évoque pas, et en même temps, parce que tout simplement, il ne peut pas. Dans cette histoire-là, il ne peut pas, en plus, poser le problème noir. Bon, on est en 55, en effet, bon, c'est le problème noir, mais c'est pas son sujet. En revanche, à toute fin du film, le lynchage est là. Hein. Et l'idée du lynchage est là. Donc, non. Mais bon, on ne peut pas tout faire. C'est un choix obligatoire. C'est-à-dire que quand vous racontez une histoire,
vous ne pouvez pas mettre toutes les histoires. Bon, en revanche, par exemple, si vous prenez Fritz Lang qui arrive aux États-Unis, bon, ayant quitté l'Allemagne hitlérienne en 1936, arrive et fait très Fury en 1937, dans son premier film, il veut d'abord traiter le film sur justement des lynchages noirs. Bon, lui, ça ne va pas, non. Donc, et il va quand même dans son film, par quatre fois, mettre des noirs qui sont et qui ont peur quand la foule veut aller lyncher bon, le blanc, d'accord, mais il suggère quand même cette idée-là. Mais il ne peut, peut pas traiter. Et on ne traite pas ça, encore même en 1955, au cinéma en tous les cas. Et en plus, je répète, c'est pas, comme dirait un professeur, pas dans le sujet. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas implicite, mais ce n'est pas dans le sujet directement. Je crois que oui, monsieur, allez-y. Oui, une petite question. J'ai cru voir au générique que le film était adapté d'un roman. Oui, absolument. Qu'en est-il de ce roman ? Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que, non, c'est un roman qui raconte un peu ce côté thriller avec des enfants. Bon, tout à fait, c'est un livre pour enfants qui a eu un certain succès dans le monde anglo-saxon, mais dont l'automne s'inspire. Et ça lui sert de structure et de base. Quoi, de base et de structure. C'est un roman pour enfants ? A priori, c'est un roman pour enfants. Enfin, vous savez très bien que les romans pour enfants sont réellement pour enfants. Et justement, de ce point de vue-là, le film est magnifique, parce que c'est vraiment un film sur qu'est-ce qu'un enfant, de quoi un enfant peut avoir peur, et sur la peur de l'enfance par rapport aux adultes. Je trouve aussi le film tout à fait remarquable. Mais là ouais, après tout, vous faites, pour reprendre le livre clé de la fin du XIXe siècle anglais, c'est-à-dire Alice au pays des merveilles, ça ne fait pas vraiment peur, mais ça inquiète. Ça inquiète beaucoup les enfants. Et les Anglais sont très forts pour ça. En France, nous, on a La Fontaine, ça ne fait pas vraiment peur aux enfants. Bon, on va peut-être, à moins que vous ayez encore une question à poser. Oui, attendez, alors... Pardon. Ah, voilà. Merci. On me ferait dire deux choses. D'abord, citer Victor Hugo quand il disait qu'on parlait du théâtre. Donc, entre la dramaturgie du film, le théâtre aurait eu une vue vraie, il y aurait les hommes sur la scène, ce n'est pas celui du réel. Les objets, les artifices sont factices, donc l'ambiguïté entre le vrai et le réel. Et d'autre part, la femme, le rôle de la femme. La femme, on la voit au début, on commence au début avec une femme assassinée. On voit le pasteur s'insure de femme. C'est un homme qui n'aime pas les femmes. C'est un sûr qui a un problème avec les femmes. Il ne veut pas faire l'amour physique avec la mère des deux enfants. C'est un homme qui a un problème avec des femmes. Michou, enfin, le personnage, pas Michou, il a un problème avec des femmes. Vraiment un problème avec des femmes. À mon avis, on voit qu'il est un peu dérangé, pauvre mec. Donc, j'ai vraiment un problème avec les femmes. Et puis, la femme, on la voit aussi avec Liliane Guy chez les filles. On la voit avec la mère qui est possédée par Dieu, qui se mortifie. Ah, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable. Elle est mortifiée, et mortifiée. Mais la femme, on la voit ailleurs. Moi, je la vois, vous êtes peut-être dingue, c'est autre problème. Moi, je la vois dans le fleuve. Bon, pensez à Apocalypse Now. Pensez au fleuve, quand il remonte le fleuve. Pensez à Vénus, pensez à Amphitrite, pensez à Aphrodite. Et pensez, regardez Michoum, quand il s'évade par le fleuve. En fait, il est tellement les femmes qu'il est possédé par une femme par le fleuve. Alors c'est peut-être un dingue, c'est possible. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bon, voilà, on va peut-être arrêtez là. La fois prochaine, ce sera pas mal aussi. C'est tout à fait différent. Un film finlandais, ça change. Voilà. Bonne soirée.